Salut tout le monde, comment ça va en ce lundi? Est-ce que c'est dur pour vous comme c'est dur pour moi? C'est dur la vie, hein. Coucou Wendy! L'ambiance était trop effrayante. Vous avez vu, j'ai mis une petite musique d'ambiance. Tintintin. Oh mais tiens, ça me fait penser que j'ai pas mis. Attendez. Il manque un truc sur la déco. Je le mets et après j'arrive. Tintintin. Tac, où c'est qu'il est? What? Attendez, j'ai pas. Comment ça, j'ai pas le livre Rosita là qui me... Mince, attendez 2 secondes, je reviens. Je vais vite prendre. Je sais pas pourquoi je l'ai plus dans mon fichier alors que j'avais le livre Rosita. J'avais la couverture. Attendez, hop, on va faire save. On va aller le mettre là où il faut. Et on va l'ajouter sur le fond d'écran que les gens puissent voir de quoi on parle. Voyons, voyons. Tac. Hop. J'ai fait là, j'ai fait des bêtises. Voilà, j'avais fait une grosse bêtise. Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer. Alors, on va voir si ça sort bien parce que j'ai pas tout mon décor là. Boum! Allez, j'arrive. Salut, Vibration Littéraire. Merci pour ton lurk. Allez, je vais baisser la musique. Est-ce qu'elle fait super flipper la musique, les gars? Parce que regardez le fond d'écran. Ça fait encore plus flipper ou pas? Attendez, je vais agrandir un petit peu le livre Rosita. Hop. Moi que je le mette de l'autre côté. Attends, je vais vous le mettre de l'autre côté en plus grand. Salut Louane! Comment ça va? Transitionne. Et voilà. Alors les gars, comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? C'est lundi, c'est le live de l'angoisse, c'est le live de la flemme. Comme vous le savez, tous les lundis, on a la flemme. C'est comme ça. T'as vu ça? Et vous savez quoi? En plus, je l'ai mis le fond d'écran, il est sur mon, à côté de moi là. Et moi, je travaille sur cet écran et le fond, il est là. Et depuis tout à l'heure, je travaillais et de temps en temps, j'avais l'impression qu'elle bougeait la fille. Et ça me stressait. N'importe quoi. Week-end chez les mamies, bon et calorique comme on aime. Ah bah oui, dis donc. Vous avez vu, j'ai mis la petite pub en bas de moi là. Vous voyez la pub pour le Pomo Latte Pumpkin 48 heures relais qui est très bientôt parce que ça arrive ce week-end. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le Pomo, vous pouvez aller cliquer sur le lien en bas pour aller voir le site du Pomo Latte Pumpkin qui est un relais 48 heures de Pomodoro qui commence, oui, ce week-end, en fin de cette semaine en fait. Voilà. Donc, c'est quoi que j'ai bougé là? Ah, j'ai fait une bêtise. Ma cam, elle a bougé. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi. Et t'avais pas un autre lien, Lise, car celui-là, faut ajouter Mano. Ah ouais? Bah, il faudrait que je retourne dans le Twitch, machin. Dans le Wisebot, je le ferai tout à l'heure. Mais du coup, qu'est-ce que vous racontez? Je vais aller tout de suite me brancher sur le Discord. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a de la chance, encore une fois. C'est souvent qu'on a de la chance ici. On reçoit une auteure. Wendy Soulauton. Alors, qui vient de temps en temps sur les lives. Donc, voilà, hein.
On la connaît, nous. Et du coup, elle est là aujourd'hui avec nous. Et donc, on va lui poser plein de questions. En même temps, je vais faire mon petit retour lecture puisque j'ai lu son roman qui s'appelle Rosita. Je me branche sur le Discord pour voir si ça fonctionne déjà. Est-ce qu'on peut entendre Wendy? Est-ce qu'on t'entend, Wendy? Coucou! Bonsoir tout le monde. Ah, ça On m'entend? marche. Oui, on t'entend très bien. Enfin, moi, je t'entends très bien. Je pense que je vais un peu monter le son. Est-ce que vous entendez bien ou est-ce que je monte le son du micro? Enfin, du micro du... Je peux me rapprocher du micro sinon. Mais en fait, c'est sur mes réglages de... Parce que, est-ce que... Alors, attends. Du coup, les viewers, est-ce que vous entendez la musique? Est-ce qu'elle est pas trop forte? Et est-ce que vous entendez bien Wendy? J'attends de voir. Oui, on l'entend. On entend Wendy. La musique, est-ce qu'elle vous fait mal aux oreilles ou pas? Parce que sinon, je la baisse. Moi, j'ai pas de retour de musique. Ouais, normalement, toi, t'as rien du tout. C'est normal, t'as juste ma Ouais, voix. moi, j'ai rien, Concentre-toi sur mais ma ouais. voix. Alors, bah, dis donc, on va commencer du coup. Chez moi, il est midi. Chez vous, il est 18h. C'est l'heure du petit live chill du lundi. On revient du week-end. On est tous. Le week-end, en vrai, c'est fatigant. C'est comme quand on part en vacances. Vous savez, on part en vacances, on revient. Et tous les collègues, alors, c'était bien les vacances, c'était bien reposé. Mais pas du tout, les gars. Pas du tout. Quand on revient de vacances, il faut qu'on se repose au travail. Parce qu'on s'est amusé, on a fait trop de trucs, etc. C'est pareil pour le week-end. Moi, je sais pas vous, mais moi, ce week-end, j'ai fait 12 millions de trucs. Je suis allée aider des potes à faire des travaux et tout et tout. Donc, en fait, là, je suis fatiguée. Donc, là, je me repose le lundi matin. C'est normal, c'est ce que tout le monde fait. On n'entend presque pas la musique, ouais, mais c'est pas très grave, au moins elle fait un petit fond et comme ça, on entendra bien quand même Wendy. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par une petite présentation de Wendy. En fait, on te dit bonjour, Wendy. Bonsoir, en fait, en France, puisque toi, t'es en France. Comment ça va? Ça va, ça va. Je suis en congé là pour 15 jours. Ah, bah ça, c'est cool. Ça fait Donc plaisir. ça va. Ouais. Est-ce que tu fais des vacances genre sportives où t'as plein de trucs prévus, des sorties, aller Ça se balader, tout ça? Ou est-ce que rigole. c'est les vacances chill à la maison? Alors, chill. Disons que j'ai la relecture de ma Dark à faire. Ah! Et voilà. Et j'ai tout à mettre en place pour mes deux tomes 1 et 2 Fantasy. Ah! Alors bah, puisque tu en parles, quelle magnifique transition! On va te demander du coup de te présenter, de nous dire un petit peu ce que tu fais, parce qu'on sait tous que tu es auteur, mais du coup on voudrait savoir ton style. Moi je suis très curieuse, j'avoue, à propos de ce que tu écris. Donc on aimerait une petite présentation sur ton style d'écriture, etc. Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Pourquoi? Comment ça s'est passé tout ça? Voilà. La genèse de l'histoire de Wendy sous l'automne. Bon, alors, depuis toute jeune, hein, j'écrivais je t'ai décalé, c'est pas, tu parles là ou... Non. Bon, ça va alors. Donc, j'écrivais de la poésie, des trucs comme ça. Et puis en fait, c'est le Covid qui a tout déclenché. Sacré Covid. Malgré que je sois de soignante, que je sois au travail et tout. J'ai eu mes idées, surtout, en fait, j'ai commencé par ma saga Fantasy. Et je l'ai écrite en 3 mois. Ah, quand même. Ouais, je l'avais dans la tête, j'avais tout. La nuit, je dormais. Alors, je sais pas si c'était la situation de stress ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que, bon, en étant aide-soignante, on était beaucoup sollicité. Et du coup, ben, j'ai commencé par une saga fantasy. Et comme j'étais novice, eh ben, j'ai merdé du début à la fin, j'avoue. Au point de vue correctrice, bon, ben, j'ai pas pris une bonne correctrice. Je savais pas trop faire mes e-books, je savais pas trop mettre en page. Donc, j'ai regardé un petit peu les tutos sur YouTube. Mais bon, c'est vrai que Et du coup, c'était ça, pas trop c'était ça. pendant le Covid. Du coup, c'était en 2020, ça. Ouais, je l'ai publié, je crois, si je me trompe pas, décembre 2020, le premier, Et donc, 2020. ce premier livre, c'était de la fantasy ou c'était pas de la dark fantasy? Non, 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 c'était de la fantasy pour tout public. D'accord. Ça s'appelle comment? Donc. Alors, j'ai changé encore parce que comme je vais le republier et que Ah, bon, d'accord. quand on Là, il n'est pas republie... disponible en ce moment. Non, 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 il n'y a rien. Il va être publié d'ici la fin de l'année. Ah, d'accord. Voilà, je l'avais sorti sous les royaumes de Canopia. Ok. Voilà.
Donc là, il va sortir, ben je me rappelle même plus mon titre, tellement qu'il est tout nouveau. Je vais regarder de suite. Je dois vérifier mon titre. Je Des crois que propositions c'est Dune. C'est c'est-à-dire que comme en même temps je commande mes couvertures et tout, donc c'est vrai que je fais 50 000 choses en même temps. C'est pour ça que moi, ces 15 jours de repos ne vont pas être vraiment du repos en Et fait. du coup, t'as commencé à écrire avec le Covid, et tu t'es lancé dans la fantasy, tout ça, t'as commencé à essayer de chercher pour faire toi-même tout ça, mais du coup, t'as continué quand même à être soignante, donc du coup, tu cumules deux casquettes. Ah oui, obligé, obligé. C'est pas facile tous les jours, ça. Ben j'écris quand je peux. D'accord. Parce que bon, ben en travaillant de nuit, c'est vrai que bon, je suis fatiguée, donc je dors en journée. Donc j'essaie quand même d'écrire quand je suis de repos le soir. Ouais, je comprends, c'est ce que je faisais avant, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que. Il faut pas que je te regarde, Lise, parce que je vois les lèvres bouger, j'ai toujours l'impression que je rate une Oui, phrase, il en y a toujours fait. un petit décalage entre le live et parce que en Donc. fait, toi, le Discord, t'es en live, t'es vraiment en temps réel, alors que il y a toujours un petit décalage sur Ah, le live. Donc fais pas attention, tu regardes plutôt les commentaires ok. sur le chat, comme ça te permet de répondre D'accord. en temps réel s'ils te parlent. Enfin, t'auras un petit décalage, mais Ouais. c'est pas grave, tu sais, moi, ils ont Ouais. l'habitude, c'est moi, j'ai un décalage naturel déjà, même sans le décalage internet, il y a un petit problème de cerveau. Du coup, t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va bien le faire. D'accord. Ok. Le son du live, je l'ai coupé, hein, Oui, très bien, parce que je parfait, vois. sinon ça va te Voilà. faire bugger, ouais. Oui, on a Voilà. vu. Voilà. Voilà, et du coup, donc tu t'es lancé comme ça, un petit peu en fait à l'inspi, parce que tu t'as dit que tu t'écrivais depuis longtemps, et puis pendant le Covid, bon bah tu t'es dit, allez, c'est bon, je vais publier un truc. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te dire, allez, j'ai confiance, je sors un truc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a lu en particulier et qui t'a encouragé à passer le pas? Ou comment ça se fait que d'un coup tu t'es mis à vraiment, tu vois, je veux dire, produire pour sortir tes livres? Ben c'est difficile parce que je pense que ça a été au ressenti, à l'émotion, par rapport à tout ce qui se passait autour, par rapport au fait que les gens étaient vraiment dans le mal-être, dans le malaise par rapport au Covid. Enfin, je sais pas, il y a eu un déclencheur, mais je pense que c'est l'environnement. C'est pas un truc, je sais pas, peut-être que je me suis dit, bon ben. Vas-y, c'est le moment. Je sais pas. Ça a été tout un contexte, en fait. En fait, je sais pas. C'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. C'était un ressenti, en fait. Ouais, je comprends. De toute façon, il y a plein de gens qui ont eu leur vie bouleversée avec le Covid, donc Oui, je suis blonde. ça secoue. Non, elle se moquait de moi, hein, t'inquiète pas. Ah! Mais bon, tu es blonde aussi, tu rentres dans ma team, ça marche. On te prend dans la team des blondes. Elle l'a dit. C'est trop tard. Et du coup, alors du coup, tu sais, comme on va commencer, tu sais quoi, dans l'ordre, je vais lire le résumé de Rosita, puisque en même temps, je fais mon petit retour lecture, puisque moi, j'ai lu ton roman. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là aujourd'hui, qui ont lu le roman qui était en lecture commune de Wendy? Donc, moi, je vais aller vous lire le résumé tout de suite. Donc, Rosita, et donc, c'est classé sur Amazon en fantastique et terreur. Alors, résumé. Espagne, juin 1947, naît Rosita Sanchez, fille d'un riche exploitant agricole. Un destin bien étrange l'attend. Dès sa naissance, des événements surnaturels vont se produire. Des drames inexpliqués vont noircir sa petite enfance. Malheureusement pour elle, le cauchemar ne fait que commencer. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Donc, comme petite citation de la Bible, ça met l'ambiance tout de suite. Hein. Moi, je le dis, c'est clair que quand tu vois la petite citation de la Bible, tu dis OK, c'est parti. Ça va partir en latin, les gars. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Rosita, classée fantastique et terreur. Et donc, j'avoue que moi, c'était la première fois que je lisais un livre classé fantastique et terreur. Alors, non pas parce que je n'aime pas ça, mais parce qu'en fait, je n'ai jamais eu l'occasion. En fait, c'est vrai que tu sais, tu lis un truc qui te plaît, tu as tendance à lire dans le même style, etc. Et pourtant, moi qui suis curieuse de tout, j'avoue que j'avais jamais regardé ce genre de livre. Donc, je suis très contente de ma découverte. Et alors, donc, si, attends, je vérifie qui c'est qui l'a lu. Yes, Clara l'a lu.
J'adore parce que Lise prend l'accent du sud sur certains mots. Ah bon, c'est vrai? C'est possible, je suis une éponge. Normal, elle vient du sud. Ouais, je viens du sud, c'est vrai. Je sais, mais en général, elle ne le prend pas. C'est possible que je sois perturbée. Ça m'arrive. Imaginez quand je parle à quelqu'un qui zozote. Hein. Voilà. Ou qui. On est mal, on est mal. Donc, du coup, le livre Rosita, ça commence en Espagne, voilà, comme c'est écrit dans le résumé. Et donc, on a la naissance de cette petite fille, et tout de suite, ça part en vrille. Enfin, tout de suite, il se passe des trucs pas normaux. Et on sent que ça va être un petit peu. Moi, ça m'a fait penser le début à l'exorcisme d'Emily Rose. En sachant que après coup, après, une fois qu'on commence l'histoire, etc., en fait, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire. Wendy, elle est partie sur quelque chose de très travaillé, c'est-à-dire qu'il y a une histoire beaucoup plus poussée, c'est-à-dire que dans les films comme L'Exorcisme d'Emily Rose, etc., en fait, on sait pas trop ce qui se passe, on sait qu'il y a quelque chose de démoniaque, etc., et c'est tout. Alors que là, on va beaucoup plus loin puisqu'on suit la vie de Rosita. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais il y a plein de surprises en fait tout au long du livre, et c'est un livre qui se passe sur une chronologie très longue en fait, hein, Wendy? Oui. Et donc moi je vous ai mis mon retour lecture sur les réseaux où je vous ai dit bah voilà du coup moi j'avais peur d'avoir trop peur etc. mais en fait non je trouve que la dose de peur elle est normale avec le thème mais sans être trop prenante aux tripes enfin même parfois quand il y avait des choses un peu macabres etc. ça m'a pas perturbé plus que ça je sais pas comment ça se fait je sais pas mais en tout cas, ouais, une fois qu'on est pris dans l'histoire, bah, on veut savoir pourquoi il y a ça. Il y a pas mal de personnages à côté. Moi, j'aime bien quand c'est pas tout centré sur un seul personnage. Donc, j'ai bien aimé qu'il y ait la tante, etc. Et si Clara, toi, tu l'as lu, si tu veux nous faire des commentaires aussi sur le livre, n'hésite pas. Et du coup, après, j'aurai des questions, du coup. Alors, j'ai vu Wendy, à la fin, il y a écrit dans le livre que ça a été inspiré par une histoire familiale. C'est super intéressant. Ouais. Tu veux nous raconter? Bon, il y a des familles qui ont toujours des secrets, et la mienne, c'est vrai qu'elle a toujours été un petit peu versée dans l'occultisme, le spiritisme. C'est vrai que j'ai des origines méditerranéennes, hein, On n'avait pas et il y a remarqué. l'Italie. Il y a l'Italie, l'Espagne, et c'est vrai que du côté, de tous les côtés, que ça soit paternel ou maternel, ben il y a des histoires comme ça. Et ma mère, je me rappelle, elle m'avait, bon, comme moi, j'aimais bien faire la planche Ouija et tout. T'as fait Et de la planche Ouija, c'est mal! Oh mon Dieu, j'aurais dû amener de l'eau bénite pour ce live! Et bon, donc j'étais bien dans le domaine, hein, de l'occultisme, tout ça. Et puis ma mère m'avait raconté justement une anecdote où elle avait sa grande tante qui n'a jamais pu se marier parce que justement, bon, c'était ce qui se disait officiellement. Après, je ne sais pas s'il y avait autre chose derrière, qu'elle n'a jamais pu se marier parce qu'elle était pleine de bleu à cause des esprits qui la hantaient. Et moi, ça m'a inspirée à faire Rosita. Voilà. Tu Donc, sais que je viens de bon, réaliser un c'est... truc un petit peu abusé, c'est que je me réveille très souvent avec des bleus sur le corps et depuis toujours ça fait rire tout le monde et parce qu'on se demande où c'est que je me tape, etc. Imaginez si ça se trouve en vrai, Ah. ça se trouve en vrai, et ben je me fais taper la nuit. Important guest. Ça ne m'étonnerait même pas, les amis. Fille qui Important cumule les tares. Mais du coup, ouais, du coup, c'est vachement intéressant. Attends, je vais regarder les. J'essayais de changer le truc du site en même temps, mais je ne peux pas faire plusieurs choses en même temps, a priori. Tu vas devoir te refaire exorciser Lise Meyer. Ah oui, c'est vrai que ça ne peut pas être ça, puisqu'on m'a déjà exorcisé quand j'étais enfant. Ça ne peut pas marcher. J'avoue, on n'avait pas remarqué. C'est Rodolphe le poster. Mais exactement, c'est Rodolphe le poltergeist. Moi, je le savais, hein. Sauf que toi, t'es mariée. Eh ouais, moi, mon mari, il s'en fout. Les bleus, il s'en fout. C'est parce qu'en fait, le secret, les gars, c'est trouver un mari qui n'a pas une bonne vue. C'est le secret. Voilà, je vous le donne. De rien, ça me fait plaisir. Mais du coup, dans le livre, tu disais que au bout d'un moment, du coup, t'avais arrêté toutes ces pratiques. Oui. Parce que ça t'a fait peur? Bon, déjà, j'ai vieilli.
J'étais moins centrée sur tout ce qui était gothique, macabre. Bon, après, ça me revient dans mes dark romances, hein. Je veux dire, mon côté sombre, il ressort dans mes écrits, hein. Mais bon, après, j'ai mis un holà parce que t'as l'impression quand même, quand tu vas dans ce... Dans tout ce qui est occultisme, tout ça, quand même, d'être un peu à l'écart de la société, de t'isoler. Et je me suis dit, stop. Voilà. Et puis en même temps, je suis rentrée dans la vie active. J'ai côtoyé d'autres personnes qui n'étaient pas dans le même milieu. Et je me suis dit, bon, allez, on garde ça de côté. Et peut-être qu'un jour, et voilà. Mais je me suis arrêtée parce que je suis allée très loin quand même. Hein. Je veux dire, Tu t'es fait des petites on frayeurs quand tentait même. beaucoup de choses. Hein. Voilà. Je veux dire... On n'hésitait pas à aller dans les cimetières, on n'hésitait pas à faire la croisée des chemins. Enfin, j'ai fait des expériences, quoi. Ah ouais, et du coup, quand tu veux arrêter ça, ça marche ou t'es quand même un petit peu poursuivi par tes expériences? Ah, il te reste toujours quand même quelque chose parce que, bon, je veux pas que vous pensiez. Y en a, après, ça, c'est on y croit, on n'y croit pas. Je Oui, veux dire, voilà, on va, ça, c'est c'est chacun. vraiment en Voilà. mode débat parce qu'on est dans le thème avec le livre, hein, c'est Tout voilà. à fait, voilà. Bon, moi, je sais que j'ai vécu des choses qui font que je ne peux pas dire qu'il n'existe pas quelque chose ailleurs. Voilà. 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 Ok. C'est... Après... Voilà. Et du coup, tu penses que ça t'a influencé pour le fait que tu écrives de la dark fantasy? Et tu écris des dark romances aussi? Alors, Dark Fantasy, je ne l'ai pas encore écrit. Hein. La Ah, c'est... fantasy que j'ai écrite, c'est tout public. C'est Ah, une voilà. fantasy... Bon, un peu gore parce que bon les scènes de d'attaque, bon moi j'aime bien les C'est faire du gore sanglantes. tout public. C'est ça. Voilà, c'est du gore tout public. Voilà. 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 Non, mais je veux dire, quand je dis tout public, ça veut dire que je vais pas faire de scènes de sexe, je vais rester raisonnable. Voilà. Je vais rester D'accord. raisonnable. Mais après tout ce qui est violence ou attaque, là je me lâche un peu plus dans ma fantasy, c'est vrai. Ah. Mais voilà, mais c'est vrai que sinon, pour le reste, je suis gentille. Je reste dans le correct. Ok. Voilà. Après, je me lâche sur mes dark romances, par Ah contre. voilà, Par alors du contre, coup là, ça on veut voir alors. Comment les t'en dark es venu à romances, écrire des c'est... dark romances? Est-ce que c'était un style Eh que tu ben... lisais avant déjà? Non, ben non. Enfin, quand j'étais jeune, je lisais Harlequin. C'est pas très dark, Voilà. hein. Non, pas du tout. Et en fait, c'est venu d'un chat. D'un chat, j'étais sur le live, je sais plus de qui. Et je me suis un petit peu agacée dans mon coin en attendant que, ouais, là, ça commence, c'est de la merde, c'est ci, c'est là. J'ai dit, mince, je veux voir qu'est-ce que c'est. Parce que moi, j'aime bien quand même regarder et constater par moi-même si c'est de la merde ou pas. Ok. Voilà, non, mais c'est vrai parce que bon, écouter les avis des autres, c'est très bien, mais c'est mettre le doigt dessus, c'est bien aussi. Bah oui. Et du coup, je sais plus lequel que j'ai commencé à lire, et j'ai dit, est-ce que je serais capable d'en écrire une? Parce qu'avant de critiquer, parce que c'est pas la même écriture que d'écrire une fantasy, Ah non. c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer, et ben, je me suis régalée. Et voilà, et j'ai aimé, je me suis dit, ben, en plus, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières, on y va à fond. Et ça, ça fait du bien, je veux dire, parce que dans la vie de tous les jours, on a des barrières. On fait attention, on va pas. On vit en société, donc on se comporte bien, entre guillemets. Et dans les dark romances, ben, alors je me lâche. Je suis vraiment la méchante, quoi. Je veux dire, j'y vais, que ça soit dans le sexe, dans la violence, dans les propos, parce que bon, à part les petits mots qu'on dit, je suis pas vulgaire dans mon parler. Là, dans les dark romances, ah, je me lâche. Je fais vraiment le mafieux du quartier nord de Marseille. Enfin, je veux dire, j'y vais à fond. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du Ah bien. oui, est-ce que tu trouves, ouais, l'écriture, c'est un genre d'exutoire en fait, tu peux, voilà. C'est ça.
Ouais. Mais bon, tout le temps en faisant des recherches, parce que j'ai appris beaucoup de choses en écrivant des dark romances, il ne faut pas croire. Hein. Je ne savais rien sur le BDSM, je savais. Voilà, je veux dire, j'étais quand même une petite naïve dans mon coin. Hein. Et c'est vrai qu'après, bon, ben, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis moi-même émancipée sur certaines choses. Et je dois avouer aussi que ça m'a fait. Je suis moins, j'ai moins l'esprit restreint sur certaines choses aussi. Je me suis rendu compte que ça m'ouvre à certaines choses où je me dis, quand même, ne commence pas à juger la vie des gens, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est grâce à mes dark romances, en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais un peu plus ouverte sur ce que chacun faisait ou ne faisait pas. Voilà. Oui, qui est du domaine du perso. Voilà. Ah, tiens, tiens, on dit BDSM, il y a Arkaël qui se pointe. Ça, c'est coïncidence? Je ne crois pas. J'ai lui envoyé un petit coup de fouet dans le stream, là, et boum, il y a Arkaël qui arrive. On la summon, Arkaël. Incroyable. T'as vu, Arkaël? Est-ce que tu aimes le petit fond d'écran? Je pense que tu aimes le petit fond d'écran. Je suis presque sûre. Oh yes, daddy. Ah. Ça va. Ouais, parce que du coup, j'ai encore jamais lu en fait de dark romance. Qui c'est qui en a lu dans le live? Tiens, je vais faire un petit poll de qui c'est qui a déjà lu de la dark romance. Parce que finalement, c'est pas un style que tout le monde lit, je pense, ici là. Après, il doit y en avoir quand même. Je sais qu'il y a Daniel qui en lit. Hop, on lance un petit débat. Et du coup, toi, c'était parce que t'avais lu, t'en as lu une et tu te dis, ouais, c'est facile de juger. Et du coup, tu t'es lancé là-dedans. Et du coup, t'en es à combien de dark romance? Alors, j'ai écrit deux dark romances, c'est deux cousins, donc c'est, on va dire, c'est une fausse saga. En fait, c'est chaque fois ça finit, mais c'est chaque fois avec un personnage qui appartient dans la même série. Donc là, il me manque plus que le troisième à écrire, celui de Natalia. Mais là, j'ai écrit un one shot qui devrait sortir fin de l'année. Donc là, c'est mes deux bêta lectrices qui sont en train de le lire pour me faire un retour sur l'histoire. Et le 20 octobre, je dois le donner à la correctrice avec une relecture éditoriale. Et là, par contre, c'est un autre style de mes. Parce que la dark romance, il y a plusieurs styles de dark romance, Ah, attention. Hein. alors là, on sait pas, vas-y. Et oui. Et oui. Instruis-nous. Il y a quoi comme style, du coup? Il y en a qui vont dans l'extrême, comme dans Monster. Monster, j'ai adoré le lire, mais alors il est vraiment hard parce que. Bon, on est tous adultes, hein. Bon, parce que bon, Sais pas, hein, je sais pas, il y en a deux, trois, je suis pas sûre, hein, mais vas-y, tu peux, Ah, tu peux. bon, C'est bon, alors sur je les vais cartes faire d'identité, attention. ça passe. Non, non, vas-y, vas-y. Je vais faire attention à ce que je dis. Donc, c'est vrai que dans Monster, par exemple, l'autrice, elle va vraiment, elle va toucher tout un panel de pathologies qui rentrent dans la chez le psychopathe et le sociopathe et qui Et on se demande, mais comment elle va faire pour que ça finisse par une romance? Parce que quand même, il y a dans la dark, il y a la romance aussi. Il faut qu'il y ait quand même une petite histoire d'amour derrière. Ouais, vitef quoi. Et voilà. Et oui, parce que dark romance, il faut qu'il y ait Il les y a deux. romance, il n'y a pas que dark, les gars. C'est ça, c'est ça. Et donc, ça dépend. Donc, ça dépend les dark romances qu'on lit. Ça va être plus ou moins léger dans la violence, dans le sexe, dans les comportements crados, voilà. Et moi, j'allais lâcher le titre de ma dark romance alors que je ne l'ai pas encore dit. Oh là là, oh là là, on a failli avoir une exclue, les gars. Ouais, mais oh, je peux le dire, Alice. Bah, si tu veux, oui, c'est toi qui. C'est comme tu veux. Alors, j'ai gardé le titre en anglais que mon illustratrice avait mis sur la couverture, c'est Cry Baby. Ah, c'est cool! Voilà. Je trouvais que ça sonnait mieux en anglais qu'en français. Pleure bébé. Bah, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que c'est un crybaby en anglais? Parce qu'en Ben, fait, Cry Baby. un crybaby, c'est une expression en fait. Un crybaby, c'est quelqu'un qui chouine facilement. C'est quelqu'un ouais, c'est une expression pour dire. Comment on dirait ça? Un caliméro. Ah, ben, c'est pas du tout mon héroïne.
Mais cry baby, ça veut dire ça. Attends, je demande confirmation à Jay. Jay, what is a cry baby? It's an expression, right? What does that mean? It's someone who is like easily like. Yeah, ouais, c'est exactement ça. C'est un calimero, un cry baby. Thank you. J'ai mon consultant américain à côté, c'est pour ça. Ben moi, j'avais pris au sens littéraire, en fait. Mais ça peut être. Mais après, non, vu qu'il est diffusé en français, pas tout le monde sait que c'est une expression. Et en plus, ça peut être justement l'inverse pour dire que, ben, que en fait, non, quoi. Qu'on pourrait le penser, mais que non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, ouais. Voilà. Donc, j'ai gardé le titre en anglais, Cry Baby. Ah. Enfin, remarque, si tu mets une virgule entre cry et baby, là, par contre, ça fait, oui, bah, pleure, baby. C'est plus pareil. Mais bon. Ah. Il faudrait une virgule au milieu? Bah ouais, pour enlever l'expression, mais après, tu sais, vu que ça sort en France, personne. Enfin, il n'y a pas. Non, je trouve que les deux, ça marche, en fait, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais ouais. Du coup, alors. Du coup, il va sortir quand? Et alors, t'as dit que t'as deux bêta lectrices. Est-ce que c'est des bêta, genre, c'est des copines qui relisent pour toi et qui te font des commentaires et tout ça? C'est des collègues de bureau, de travail. Excellent. Ouais, mais je sais. Ben. Le soir, bon, j'amène de temps en temps mon ordinateur portable et elles m'ont vu travailler. Je leur ai dit, bon voilà, j'écris des livres, patati patata, et je suis sur une dark romance. Elles m'ont dit, oh chouette, on adore les dark romances, on les lit. Ah, ah je dis, ben voilà, je dis, ben je vais vous embaucher. Vous bah, t'as de la lirez chance, ma... parce que moi au boulot, quand, ouais. Quand j'ai dit, ah, j'écris des livres, t'écris quoi? J'ai de la fantasy, ils ont fait, ah. Ok, super, merci les gars. Du coup, ils m'ont pas dit bon bah on les lit. Hein. C'est pour ça que j'ai quitté mon boulot. Non, je rigole. Et du coup, c'est bien. Donc, du coup, tes bêta, c'est tes collègues. Et du coup, elles aiment bien. Et donc, c'est pas la première fois qu'elles lisent du coup tes livres. Elles en voilà. Sont à combien de lectures je sais qu'elles elles achètent régulièrement des livres sur Amazon. Donc, elles ont quand même un large panel d'expérience par rapport à ce qu'elles lisent. Et j'ai dit, je veux que vous soyez honnête. Vous me dites. Ce que vous pensez de l'histoire, est-ce que c'est une bonne histoire, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche, est-ce que ça fait assez dark romance. Donc normalement, je sais que j'aurai un bon retour des deux, même alors, si ce sont des copies. Moi, voilà. pour Rosita, franchement, j'étais très, j'étais agréablement surprise par le récit. Je trouve qu'il était très adapté, tu sais, à l'époque, etc. Beaucoup de vocabulaire, vachement bien écrit. Ah, merci, merci. Je sais pas pour c'est Clara, tout. Il y a Clara qui est là, qui l'a lu aussi. Ouais, parce que comme on parlait, retour. Là, vraiment pour le côté écriture, ces descriptions, je trouvais que c'était vachement beau. On voyageait en Espagne, etc. Toutes les expressions, c'est très riche, il n'y a pas de répétition, tu vois. On tourne pas tout le temps autour des mêmes. Du même vocabulaire, etc. L'écriture est belle. Voilà, Clara confirme dans le stream. Ah, est-ce que c'est t'as eu gentil, peur, Clara, toi, avec l'histoire ou pas? En même temps, la fantasy, c'est un public restreint. Ah, moi, je dois dire que aussi, dans l'histoire aussi, Wendy, un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le final. Parce que il est surprenant, en même temps, il l'est pas. Et en même temps, il te fait de la peine et en même temps pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, il est juste, quoi. Enfin, je trouve. Disons qu'il n'y avait pas trop de solutions, en fait. Ben non, ça, on aurait pu faire un happy ending, machin, mais oui, ça oui. Aurait été trop plat, je trouve. Quand je dis que je lis de la fantasy, on me dit aussi, ah, les seuls qui connaissent, c'est Harry Potter. Ouais, exactement. Non, mais moi, il y a un mec un jour qui m'a dit, je suis content quand même, mais j'arrête pas de me la péter auprès de mes potes, comme quoi je connais un auteur et tout. Mais c'est quoi déjà que t'écris de la fantasy? Ah merde, du coup, bah, c'est pas pareil, quoi. Enfin, maintenant, il connaît plus un auteur, tu vois. Tu sais, carrément, c'est fantasy, c'est même pas des livres, quoi. Pas super peur là à je dire. Vois ah pardon vas-y vas-y tu disais quoi alors Luan Lou là je vois ça dépend la couve aussi si c'est l'expression Calimero pas du tout elle est d'enfer la couve bah, c'est pour ça que ce qu'elle dit ah, du coup le titre il passe nickel les gens ils verront bien que ça que c'est ah, le ouais. Contraire du Calimero non ouais ouais non non elle est c'est pas effrayante mais c'est vraiment une couverture de dark voilà et du coup ton illustratrice tu l'as trouvée comment? En lisant les dark romances comme Monster, comme Toxic, parce que Toxic aussi, j'adorais Toxic, Insane. J'ai vu, parce qu'au début du book, tu sais qu'on marque
les illustratrices, les correctrices, et voilà. Et j'ai dit, tiens, je vais voir. Et Emma Vision est belge, donc je me suis renseignée, et c'est elle qui m'a fait ma couve de Rosita. Et c'est elle qui m'a fait ma couve de Crybaby. Et c'est elle qui va faire mes couves les prochaines, et mon prochain logo aussi. Excellent. Bah, Professionnel. du coup, tu as des bêta-lectrices, bon, là, qui sont tes collègues. Tu as une correctrice, j'imagine, après, pour le final, et une illustratrice. Oui, Donc, en fait, oui. tu as tout un système d'éditorial comme une vraie maison d'édition, mais qui est tout géré par toi. C'est du boulot, hein? C'est du boulot, mais j'aime ça. Je m'en plains pas. Je préfère mieux gérer moi et savoir ce que je fais. Bon, surtout qu'à force de publier, puisque j'ai publié d'autres livres d'horreur entre mon premier fantasy et Rosita, il y a eu d'autres livres au milieu, hein. Donc, je me suis améliorée. Les boulettes que je faisais au début, je les ai plus faites. J'ai appris à me servir des logiciels pour faire mes e-books, tout ça. Donc, je veux dire, ça y est, tout ce qui était partie pratique, je le maîtrise. Après, je ne sais pas faire une couverture, donc je suis contente d'avoir mon illustratrice. Les corrections, bon, ben, des fois, j'écris comme je parle, donc autant avoir une correctrice, parce que sinon, c'est l'horreur, quoi. Voilà. Donc, j'essaye moi aussi de m'entourer de personnes qui, j'espère, resteront avec moi tout au long de mon parcours d'écrivain, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir toujours les mêmes personnes, parce qu'après, elles vous connaissent, elles savent, et moi aussi, je les connais. Voilà, j'espère que ça sera ces personnes-là que je garderai à long terme. Ah oui, alors, et là, ça fait combien de temps que tu travailles avec ces personnes? Alors, avec mon illustratrice, je la connais depuis l'année dernière. Mes copines, je les connaissais, mais en Dark Romance, c'est juste récent. Pour les autres, je faisais lire comme ça, mais c'était pas des personnes. En fait, je prenais plutôt des personnes que je connaissais pas et que je payais pour faire des bêta lectures. Alors que là, bon, mes copines, je les paye pas. Voilà. Mais bon, je leur offrirai un livre. Oui, voilà, Voilà. c'est ce qu'on fait en général. On envoie des choses, Voilà. etc. Voilà. C'est bien parce que ça permet de ça soutient vachement parce que comme t'es les petits auteurs, bah on n'a pas forcément les moyens des maisons d'édition, etc. Et du coup, bah, les gens qui nous aident comme ça soutient beaucoup notre petite entreprise. Donc on remercie Oui, tous les gens qui font des alphas et des bêta Ah lectures et qui sont au top. Qui nous renvoie oui. des commentaires bien éclairés en nous disant oui, non, là il y a un truc qui va pas, ou c'est toujours utile quoi. Franchement, les alphas et les bêta bien, tu sais, qui mâchent pas leurs mots, c'est vraiment les meilleurs. Oui. Ah non, ils sont directs pour ça. Oui, bah vas-y, MP-moi, Loane, sans souci. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Wendy? Et comment? Alors tiens, tu vas pas échapper à la question ultime qu'on pose à absolument tous les auteurs. Personne n'y échappe. Est-ce que tu travailles? Quelle est ta méthode de travail? Est-ce que tu es architecte ou jardinier? Tu connais ou jardinière? Est-ce que Oui, tu connais ouais. ces... Quelle est ta Alors, méthode? je suis les deux. Eh oui, voilà, je suis les deux parce que quand T'es je tiens hybride. une histoire, voilà, je suis hybride. Parce qu'en fait, je ne peux pas développer un roman si je n'ai pas l'histoire. Déjà, il me faut l'histoire dans la tête, il me faut l'idée. Après, il me faut le début et la fin. Donc, j'écris mon début et ma fin, obligatoirement. Même si la fin, je l'arrangerai, je la modifierai un peu, mais il me faut la fin. Et il me faut quelques chapitres au milieu. Donc, voilà mon squelette pour commencer un roman, à écrire un roman. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas écrire. Voilà. Dès que j'ai ça, dès que j'ai mon début, la fin et quelques chapitres au milieu, c'est que je sais que je tiens mon histoire. Et à partir de là, j'écris mon roman. D'accord, donc en fait, entre les deux, c'est du jardinage. Ouais. C'est un peu comme Ouais. moi aussi, j'ai un plan général. Enfin, t'as forcément une architecture de base. Franchement, ceux qui sont vraiment jardiniers 100%, j'arrive même pas à comprendre comment ils arrivent à faire un livre en fait à la fin. Je suis un peu admiratif parce que c'est vraiment de l'inspi total. Faut vraiment avoir confiance dans son, je sais pas, dans son inspi pour qu'à la fin, ça se... Mais des fois, ça se ressent hein, parce que des fois, tu lis des livres et tu te dis, on sait pas dans quel sens ça va, mais on voit bien que l'auteur il savait pas non plus. Ça vous est pas déjà arrivé de faire ça quand vous lisez, de vous dire, mais en fait elle va où l'histoire là? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et puis à la fin tu te dis, bon, ok.
Bah, des fois, ça se sent. Non, non, voilà, moi c'est ma façon de travailler, il me faut le début, la fin et un petit peu des chapitres et après, bon, au milieu, ben voilà. T'as pas tous les post-it partout sur un mur, tout ça? Oui, j'ai des petits mots, des idées au travail. D'un seul coup, je travaille, je change de résident. Ah, il me vient une idée, vite, vite, dès que je finis mon résident, vite, vite, je note ma... Ah, j'ai... Il n'y a pas d'heure pour avoir des idées, en fait. Ouais, c'est Voilà. vrai que moi au Des début je fois... notais pas tout et enfin je note toujours pas tout, mais au début vraiment je notais rien du tout et je me suis rendu compte que je perdais plein d'idées comme ça, tu sais, parce que souvent quand je suis en train de faire autre chose, boum, j'ai carrément toute une conversation qui me vient en tête qui sera parfaite à tel moment de l'histoire et en fait faudrait que je l'écrive déjà, que je la note déjà pour la mettre de côté et souvent je le fais pas. Je fais confiance à ma mémoire, mais en prenant de l'âge, je me rends compte que je devrais arrêter de faire ça. Tu es désolée, mais tu rigoles toute seule, pourquoi? Pourquoi Louane? mon accent? Non, je pense pas. Elle est pas comme Moi, ça, je Louane. m'entends pas. Je me ferai le replay pour m'entendre parce que j'ai pas le retour. Moi, j'avoue, comme j'ai pas Alors. l'habitude des livres type horreur, j'attendais le moment où ça allait mieux et tout allait s'arranger. Ah, c'est vrai, Clara, du coup, la fin. Du coup, ça a été un peu. C'est vrai que moi, par contre, Wendy, le fait qu'on ait fait. Tu sais, des fois, on avançait dans la vie de Rosita et il y avait comme des petits sauts, etc. Où pour moi, il me Oui. manquait un peu des parties où tu sais, où j'avais l'impression que, oh mince, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu vois. Mais après, à la fin, Oui, tout se oui. met. Enfin, à la fin, tu comprends en fait pourquoi c'est dans ce sens-là. Enfin, pourquoi c'est comme ça. Et oui, parce qu'elle avance dans le temps comme... voilà, elle vieillit, je veux pas trop dire non plus, Ouais, bah mais non, on c'est peut vrai pas que parce que du bon... coup c'est surprenant ça, donc faudrait mieux pas trop en parler parce qu'on s'y attend pas du tout Et dans le livre. voilà. Et voilà. Et donc c'est vrai que bon, je me suis dit, je vais pas faire chaque année, ça va être long. Et donc c'est vrai que des fois c'était des pannes de 10 ans ou... Ouais, je Ben comprends c'est... mieux pourquoi Voilà. Louane rigolait parce que c'est vrai que c'était très drôle quand t'as dit j'ai une idée avec un résident et boum, une dark romance. C'est vrai que quand t'as dit je change un résident et boum, une dark romance, c'est vrai que c'était assez rigolo. Ouais, bon, c'est pas le résident qui m'a donné l'idée de la dark romance, peu cher. Mais c'est bon, ça me vient, quoi. Voilà, ça Peu m'est venu cher. seul. Peu cher. C'est vrai que c'était un rythme très différent. Ouais, c'est vrai que Lara, moi non plus, je suis pas habituée à ce genre de livre. Et c'est vrai aussi que au début, j'étais un peu perturbée par le rythme. De Rosita? Ouais. Mais en fait, Rosita, il faut dire honnêtement, c'est un flop, hein. Attends, il ne marche pas, il attire pas. Je veux dire, j'ai eu, ben là, j'en ai eu deux derniers avis qui ont été bons. J'ai eu un 5 et un 4 étoiles. Il y en a une qui m'a mis une étoile. Bon, en fait, j'ai cette évaluation. Il ne marche pas depuis que je l'ai Une mis, c'est un flop étoile? Mais total. comment ça, c'est un hater, c'est pas possible de mettre une étoile. Franchement, les Ouais, gens mais qui bon. mettent une étoile, c'est vraiment les gens qui sont là pour comment dire, par méchanceté, enfin pour faire quelque chose de négatif vraiment, parce que moi je veux bien, enfin si moi un jour je mettais une étoile, j'ai déjà lu des livres qui méritaient une étoile. C'est vraiment quand la personne, par exemple, si c'est que c'est n'importe quoi en fait, que vraiment c'est du dedans, il y a le c'est même pas écrit correctement, c'est pas corrigé ou des choses comme ça. Quand vraiment c'est un livre, mais là c'est impossible de faire ça. Je veux dire, c'est du vote de sanction, quoi. Ouais, voilà, je comprends pas Ben l'intérêt de mettre une étoile. Bah si t'aimes pas, t'aimes pas, mais c'est abusé d'aller détruire. En plus que tu vois, il y a aucune raison. Je veux dire, s'il y avait des problèmes, que le livre était pas bien écrit, que tu sais que, je sais pas moi, des gros trucs qui n'allaient pas dedans, etc. Mais pas du tout. Donc il est de qualité, donc après tu aimes ou tu n'aimes pas l'histoire, mais tu peux pas mettre une étoile parce que tu n'as pas aimé l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est vachement, vachement subjectif ça. Tu en avais parlé déjà, Ah, Wendy. merci, Clara. Merci. J'avoue, j'ai mis 5, j'ai fini le livre. Je mets 5, il y a une belle plume, c'est mérité. Mais carrément, franchement, tu peux pas. C'est clair. Je suis d'accord, bah, je comprends pas les gens qui font ça, mais j'ai remarqué, tu sais, moi, Wendy, je sais pas si ça t'arrive, mais tu sais, t'as toujours des gens qui t'aiment pas et qui vont s'amuser à te mettre une étoile dès que tu sors un nouveau livre. À un moment, à chaque fois que je sortais un livre, le lendemain matin, il y avait le une étoile, tu sais, alors que, tu sais, il vient de sortir. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas les auto-éditer, faut le savoir. Ah ben Mais qui vraiment n'aiment pas ça, quoi. Donc, voilà.
Après, je sais que pour mes dark romances, on a essayé de me descendre mes deux livres. Mais là, j'ai eu un public lectrice derrière qui était trop envahissant. Enfin, envahissant dans le bon sens, hein. Et ce qui a fait que ben, l'évaluation à une étoile, elle a été mangée complètement par les 4 et 5 étoiles, quoi. Mais là, il y avait un gros public. Il y avait un gros public derrière pour m'épauler, enfin, pour aller là-dessus et dire, bon, une étoile, bon, elle vient à peine de le publier, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Et là, dommage, pour Rosita, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un public pour les livres d'horreur. Ah voilà, donc ça c'est intéressant en fait. Rosita, c'est ton seul fantastique terreur qui n'est pas Dark Romance. Non, j'ai fait d'abord Frayeur. Il y Et a celui-là, il Frayeur. fonctionne? Oui, ouais. Il y a Frayeur qui est d'abord. Qui est. Frayeur, c'est. On peut le lire soit avant, soit après Rosita. C'est sa nièce. Dans Frayeur, c'est la nièce, Marina. Ah d'accord, ok, je vois. Voilà. Et il y a Alpha B666. C'est sur les zombies. D'accord. Et voilà. Et d'abord Amazon, ils m'ont proposé de le mettre en promotion tout le mois de novembre. Donc j'étais contente. Ils ont accepté ce livre pour le mettre en promotion pendant un mois. Voilà, moitié prix. J'ai fait une romance érotique qui, bon, ne marche pas trop, mais bon, c'était mon premier. Je tâtonnais. Bon, je comprends qu'il ne marche pas trop parce que j'ai essayé. Et là où ça commençait à marcher, c'est les dark romances. Et Mais mes deux livres d'horreur, pardon, t'as ouais. le bonjour de Rose Salomon, c'est quel style? Ah mais il a changé le titre, c'est ça? Ah, voilà, c'est l'affaire Rose Salomon. Bon, ben, t'as le bonjour de Rose Salomon, marchait bien. C'est un thriller horrifique. Je sais pas, celui-là il a l'air Il cool. marchait bien. Voilà, il marchait bien. Et puis j'ai une chroniqueuse qui m'a dit, attention, Wendy, il y a beaucoup de fautes. Alors que je l'avais fait déjà corriger. Bon. Du coup, comme une andouille, quand on le sait très bien, quand sur Amazon, si on dépublie, si on veut corriger, si on veut enlever. Le problème, c'est que après, il faut republier avec un autre titre, ou sinon, on ne vous reprend pas le même livre. Et comme j'ai dû, donc, j'ai repris le même livre, mais j'ai changé la couverture et j'ai mis l'affaire Rose Salomon. Et là, par contre, ben, il n'y avait plus personne. Voilà. Alors que, avec des fautes, bourrées de fautes, il a super bien marché. J'aurais mieux fait de ne pas le toucher, en fait. Et Mais quand c'est je marrant, l'ai pourquoi faite tu l'as rose, dépublié? Parce que moi, si je vois des coquilles dans mes livres, en fait, je recharge tout simplement un nouveau fichier sans rien changer. ben, je sais pas, j'ai dû paniquer, j'ai dû Ouais, je avoir honte. comprends. Ça faisait un bon moment qu'il était comme ça, que j'en avais vendu, que j'ai. Je me suis dit, oh là là, Thérèse, enfin, Wendy. J'ai dit, oh là là, Wendy. Voilà, j'ai sorti mon vrai prénom. J'ai dit, oh là là, Wendy, tu l'as vendu avec plein de fautes et tout. Et c'est vrai que je me suis sentie mal, parce que je me suis dit quand même, vendre quelque chose qui n'est pas bien corrigé. Et donc j'ai voulu le refaire, le ressortir, et ben là, par contre, ben il n'y a eu personne. Et Bon, du coup, même tu s'il y l'as a eu. refait corriger par la même personne ou tu as changé de Oh, correctrice? non, j'ai changé. Cette fois-ci, c'est Sarah. C'est Sarah qui me fait. Alors, Sarah n'aime pas les dark romances. Donc, Sarah ne me corrige pas les dark romances parce que ça la gêne. Il faut savoir qu'il y a certaines correctrices qui refusent de corriger les dark romances Ah parce ouais, que, c'est bon, vrai ben. que ouais, ça on n'y pense pas, mais ça peut être un problème, ouais. Eh oui, eh oui. Donc, Sarah me corrige, on va dire, les fantaisies, les livres d'horreur, tout ça. Et par contre, Émilie me fait les dark romances. Voilà. J'ai deux correctrices, une qui aime bien les dark romances et qui me fait des relectures éditoriales sur les dark romances et tout, et l'autre, par contre, les dark romances, il faut pas lui en parler, c'est pas pour elle. Ah bah c'est ouais, ça arrive. Et est-ce que du coup, question subsidiaire, est-ce que tu as envie d'essayer d'autres styles encore? Parce que là, tu as écrit de la dark romance, tu as écrit de la fantasy classique, tu as écrit du thriller horrifique. Horrifique. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres styles que tu as envie d'essayer aussi en écriture ou tu as d'autres histoires qui te viennent ou là pour l'instant tu vas rester sur les. Ce qui marche le mieux, du coup, c'est la dark romance, tu dis? Oh oui, ça cartonne. Ça cartonne. Il y a un public. Il faut dire honnêtement que moi, la dark romance, c'est ce qui m'a payé les corrections, les couvertures et tout, hein.
C'est vrai qu'avec les livres d'horreur, tout ça, je n'avais pas autant de budget que les dark romance me dégagent quand même. Hein. Je veux dire, j'ai. Voilà. J'ai pas pour vivre, hein, mais ça me paie tous mes frais. Voilà, ça Ouais, paie voilà, tous c'est mes frais. important, c'est Donc. que tu que c'est que c'est que écrire ne te coûte pas de l'argent. C'est ça, tout à fait. En fait, là, ma fantaisie, je la reprends parce que je voulais la finir. J'avais sorti que les trois premiers tomes, alors que c'est une quadrilogie. Et j'ai dit, attends, t'as commencé, il faut finir. Donc, je la reprends parce qu'elle ne s'était pas vendue. Hein. Si j'avais trois pelés de tondu là-dessus, c'était bien. Mais sinon, j'avais pas grand monde. Donc, je la reprends. Elle va ressortir avec une nouvelle couverture méga chouette et tout en 3D. Bon, enfin. Et du coup, j'écrirai mon quatrième tome que je n'ai jamais écrit, jamais publié. J'ai dit comme ça c'est une parenthèse du passé qui sera fermée et que j'aurai terminé ma saga parce que j'aime pas laisser une histoire comme ça sans fin, surtout que j'aime beaucoup mes personnages, donc je veux qu'ils aient une fin. Et après, une fois que, bon, j'ai beaucoup de projets en route, mais c'est vrai que je vais rester plutôt sur la dark fantasy, dark paranormal, dark romance, mais je ne reviendrai plus sur les livres d'horreur. Enfin, je pense pas. Je pense pas. D'accord. Je pense que la dark nous permet un panel, un large panel, pour écrire des livres, de mettre de l'horreur, de mettre Mais du coup, ça pas t'ennuie mal de pas au trucs. bout d'un moment? Parce que par exemple, moi j'ai écrit beaucoup de fantasy, etc. J'avoue que ça m'ennuie pas parce que c'est toujours rigolo. Et puis, comme tu disais, là, avec la dark romance, ce qui est bien, ce que tu as dit et que moi je dis d'habitude sur la fantasy, c'est que c'est ouvert à tout. C'est-à-dire que c'est des genres d'écriture qui te permettent énormément de pistes différentes en fait en écriture. Ça. Et du coup, ça ne t'ennuie pas. C'était ça ma question. Non, T'as pas non. peur au bout d'un moment de te dire, oh, j'ai fait le tour de la dark romance, c'est bon, ça va 5 minutes, et puis là j'ai l'impression de réécrire les mêmes histoires, donc j'arrête. Non, j'ai pas fait le tour parce que bon, j'ai pas fait. Bon, là, je fais un gang ultra violent. Je l'avais pas écrit. J'aimerais moi aussi écrire une dark romance sur un campus avec des sonorités, enfin des sonorités, des. Voilà, j'ai. Oh, il y a plein d'idées. Puis, j'ai pas fait de dark romance avec des loups-garous, avec des métamorphes. Oh Enfin, purée, voilà, il reste dark encore. romance fantasy. Oui, voilà, donc je veux dire, il reste encore plein d'endroits à visiter comme ça. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Matteo Chachette qui a dit, en tout cas, je ne l'ai pas précisé au début de l'interview, mais j'adore la couverture de Rosita et Clara est bien d'accord. Oh, merci, c'est gentil, merci. C'est vrai qu'elle est très Maya jolie. va être contente. C'est Maya qui l'a faite hein, de Emma Vision. Je lui dirai, ta couverture a plu. C'est vrai qu'elle est belle et elle est bien représentative de l'histoire. Ben, c'était compliqué de faire une. Parce que bon, faire quelqu'un de possédé ou quoi que ce soit, bon, c'est un peu, on va dire, la routine, c'est toujours les mêmes choses. Donc c'était assez difficile de mettre toute une histoire dans une image, en fait. Et je trouvais que l'idée du miroir avec Rosita en fond, voilà, ça Ouais, ça résumait, marche. voilà, ça résumait bien et. Avec les roses et tout, voilà. Je trouvais que c'était assez complet, sans trop se prendre la tête pour savoir si on devait faire quelqu'un avec une croix inversée. Ben voilà, c'était assez compliqué quand même. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Il y a Clara qui dit qu'elle est assez angoissée rien que sur les descriptions des dark romances. C'est vrai que j'avoue que moi aussi, les dark romances, j'ai peur que pour moi, ça soit trop violent dans la relation humaine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit vraiment brutal. Enfin, je pense que c'est un petit peu le Brutal. but. Alors attends, je vais aller. Tu sais quoi? On va regarder. Tu peux me donner un titre d'une de tes dark romances et je vais lire le résumé. Attends, bah, c'est quel tome? Alors, une qui a bien marché, c'est le cousin Anton. Alors, attends, je vais vite sur. Parce Attends, mais je que vais c'est la trouver, je vais dans. Tac. juste pour toi. Je crois que c'est juste pour toi. C'est le 2. Parce que le premier, c'est juste avec toi, avec Constantin. Et le 2, c'est Anton, juste pour toi. Et lui, il marche un peu. Bon, il a moins d'avis parce qu'il est plus récent, mais il marche bien. Les gens le trouvent un peu plus dark, un peu plus violent que le. Alors attends, on va lire déjà le 1 vu que c'est une. Alors résumé, ils appartiennent à deux mondes différents jusqu'au jour où leurs routes se croisent. Constantin
Slanovitch est le pakhan de la Bratva. Ah ouais, la mafia russe. Il dicte sa loi et Et obtient oui. toujours ce qu'il veut. Ou sinon, il le brise ou l'élimine. Brenda crache un, cache un passé douloureux. Seule, Natalia, son amie, est au courant de son secret. Constantin doute de l'amitié de Brenda vis-à-vis de sa sœur Natalia. Il n'a qu'un désir, démasquer la jeune femme qu'il pense n'être qu'une profiteuse en lui infligeant une leçon à sa manière. Quand un anti-héros dominant et dangereux rencontre une femme douce et meurtrie. Ouais, bah, franchement, moi, ça me donne envie de lire l'histoire, mais en même temps, je me dis que si ça part hyper mal pour la pauvre fille, je sais pas, Va hyper alors. mal. Ça va hyper mal pour la pauvre. Et le 2, c'est sur, à peu près sur le même moule, mais avec une autre histoire, bien sûr. Hein, parce que le premier, on est moins dans la mafia. Le 2, on rentre dans la mafia russe. Donc il est beaucoup plus violent. Parce que là, on a plusieurs protagonistes qui vont rentrer et qui vont bien sûr être à l'origine d'autres histoires qui vont être écrites à partir de 2024, tout ça. Mais c'est beaucoup plus violent, le 2 est plus hard. Du coup, je me demande, tu vois, Clara, si les gens qui lisent la Dark Romance, en fait, ils aiment bien vraiment le côté violence, genre pas de respect, tu vois, genre domination, etc. Et que voilà, et que en fait, le côté romance est moins fort que le côté un peu BDSM, tout ça, je pense. Non? Y a une histoire d'amour derrière, hein? Il y a une histoire d'amour tout le temps. Hein. La dark romance, il faut quand même qu'il y ait. Après, ça dépend le chemin que l'on prend pour aller jusqu'à l'histoire d'amour. Elle peut être hard, Ah. voilà, ça dépend. Voilà. C'est intéressant ce que dit Clara. Elle dit en fait j'ai aucun recul par rapport au perso et du coup c'est dur. C'est vrai que voilà, le problème c'est que quand dans ta vie tu n'as pas de référence comme ça, bah du coup tu as du mal un peu à encaisser, je pense ça. C'est peut-être pour ça que moins adepte de la dark romance. Il y a peut-être un côté fantasme inassouvi aussi. Ah oui, peut-être, oui aussi Clara, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en général, moi j'aime bien. Enfin, moi je sais pas, c'est vrai que c'est intéressant ce que t'as dit. Si tu peux pas en fait du tout te projeter dans l'histoire, bah c'est plus difficile quoi. Ou alors si quand tu te projettes ça fait mal, et bah là tu te dis bah non en fait. Et bien il y en a qui aiment bien. C'est comme bah, les gens qui aiment bien les films d'horreur et ceux qui n'aiment pas. Voilà, c'est la même chose en fait. Ceux qui aiment bien se faire peur, se faire mal, voilà quoi. C'est-à-dire que ce qui est bien dans la dark romance, c'est que comme c'est une fiction, on connaît pas, enfin, je sais pas vos vies, mais c'est rare qu'on soit dans un milieu mafieux, c'est rare. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est comme c'est de la fiction, ça nous amène dans un monde, bon, hyper violent, hein, mais qui nous permet justement d'avoir des fantasmes sur un univers qu'on sait qu'on ne touchera pas, voilà, C'est qui est vrai. loin. Je te coupe juste 2 minutes. Merci Waze pour le raid. Salut les raiders, bienvenue. Alors le lundi, c'est lundi chill. Normalement, c'est le lundi de la flemme. On fait rien, on papote. Mais aujourd'hui, on a de la chance. On est en interview et on a Wendy Soulotone avec nous, qui est auteur de dark romance, de fantasy et de fantastique horrifique. Donc, si vous avez des questions. Vous parliez de mauvais prof chez Waze. Ah bon, c'est bizarre comme sujet ça. Moi j'ai du mal à percevoir l'amour quand il passe par un énorme déséquilibre pour faire souffrir l'autre. Voilà, exactement. Bah ça, Clara, ça m'a l'air d'être tout à fait le résumé du tome 1 là qu'on vient de lire, hein, Wendy. Et donc Clara dit que ce qui la dérange, elle, c'est quand il y a un énorme déséquilibre, il y en a un qui souffre dans la relation. Merci pour le follow, Céleste. En fait, dans le 1, c'est pas. Ah, c'est pas vraiment. Lui, il part dans l'idée, Constantin, qu'en fait, c'est une opportuniste, c'est une profiteuse d'argent. Et en fait, il va se planter. Et quand il va se rendre compte qu'il s'est planté, il va tout faire pour se faire pardonner. Mais à la manière russe, à la manière mafieuse. Voilà, c'est pas le gars, le petit gars gentil. Voilà. Ah bah tu vois, Et Panda, ça c'est. m'a dit, j'avoue que la Dark Romance m'a toujours interrogée. Et moi aussi. Et c'est pour ça, en fait, c'est bien qu'on ait Wendy, parce que du coup, on peut poser toutes nos questions. Parce que moi, j'avoue, comme disait Clara, comme on disait que, en fait, le fait qu'il y ait un déséquilibre et qu'il y ait un personnage qui souffre, en fait, comme, en fait, on a du mal à se projeter dans ce genre d'histoire. Et c'est pour ça qu'on a du mal à voir, tu sais, à être attiré par la Dark Romance. Et on se demande, en fait, ce qui attire les gens, peut-être, comme les gens qui aiment les films d'horreur, ils aiment bien, voilà, se faire peur, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, les nouveaux qui Ça. viennent d'arriver. Assez comme toi,
toi, Clara. Moi, je trouve, moi, j'arrive pas trop à pardonner les gens qui se font du mal et qui disent oui, mais non, mais en fait, c'était dans, c'est parce que c'est dans ma culture, en fait, si tu veux. Donc, nous, on fait du mal, mais en fait, ça veut dire qu'on t'aime. Bah, non, en fait, non, on fait pas ça, juste. Donc. Honnêtement, bon, pour le moment, c'est que des mafieux que je fais, hein. Ils leur laissent pas le choix, hein. Je veux dire, tu peux dire non, ils comprennent pas le non, hein. Ah oui, ben oui. Voilà, hein, Voilà, c'est parce que c'est dans son contexte, c'est-à-dire que lui, il vit dans un contexte de violence, et donc c'est ça qui fait que. ça, c'est ça, Donc en fait, l'histoire de Dark Romance, c'est dans un contexte ultra-violent ou dans un contexte tout à dont, fait. qui sort des clous de la société telle qu'on la connaît, eh ben, il se passe une romance malgré le contexte hors clous. Voilà, c'est ça. Super Lise, c'est ça. Mais du coup, voilà, il y a des et du coup, tu nous disais que c'est très, ça marche très très bien. Donc en fait, c'est très trendy la Dark Romance. Il y a beaucoup beaucoup de lecteurs. Il y a un gros public de Dark Romance. C'est ça. Oui, ouais. Faut que j'en essaye une absolument. Écoutez, hein, les amis, faut que je, on peut pas savoir si on n'aime pas si on n'a pas goûté. Donc il va falloir que je lise une Dark Romance. D'ailleurs, Daniel, tu sais, Matou, il y a Daniel qui nous avait la féministe vénère, elle dit que là. Il y a Daniel qui nous en avait conseillé une de Dark Romance d'ailleurs. Je te donnerai aussi le nom, mais il faudra qu'on en lise une de Wendy et qu'on regarde aussi ce que Daniel nous avait dit. Bah, c'était plus ou moins l'explication que j'avais, genre ouais, une sorte de catharsis, ouais. Le dragonologue, oh là là. Mais ça me plairait si à la fin elle se venge et elle le bute. Ah oui, mais alors là c'est plus de la Non, romance. non, non, Clara, non, 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 ça marche pas comme ça. Il faut un happy end quand même. Hein. C'est vrai que je vois, Clara, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait à la fin tu serais trop frustrée quoi. Le mec genre il la tabasse, il la viole, etc. Mais en fait il l'aime et tout et à la fin la fille elle est amoureuse de lui. C'est vrai que moi ça me fout les boules. J'avoue. J'ai cru tu disais faut j'en essaie une en mode faut que t'en écrives. C'est là, OMG, encore un projet de plus. Non, 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 je vais pas en écrire une. Déjà, j'en ai jamais lu. Je vais en écrire une. Déjà que j'écris une romance, c'est la première fois de ma vie, une romance pure, qu'il n'y a pas d'histoire de derrière, fantastique, de on bute machin, il y a pas de mort ni rien, c'est juste de la romance. Je suis un peu perdue. Déjà, mes codes sont un peu ouf. Et du coup, quels sont tes projets, Wendy? Est-ce que tu nous veux nous pitcher tes prochaines sorties? Alors, mes prochaines sorties, bon, mais il y a Crybaby qui est en cours là. Il y a mes deux tomes 1 et 2 de ma fantasy que je sais toujours pas le titre parce que j'ai pas regardé. Non, mais attends, c'est quand même dramatique. Comme j'ai tout changé maintenant, donc voilà. Donc, j'ai mes deux fantasy. Alors, le nom de la saga. Ben, le nom de la saga, ben, je ne l'ai pas non plus là. Ah oui, le titre de la... Ça y est, ça, j'ai trouvé. Le titre de la saga s'appellera D'honneur et de magie. Oh cool. Voilà. Oui, parce que ça aussi, c'est difficile de trouver un titre de saga de fantasy Ouais, c'est pour clair. pas marquer royaume, cycle et tout le Bataclan derrière. C'est pas facile là aussi. Hein. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, j'ai trouvé ça. Donc il va sortir le tome 1 et 2 de ma saga fantasy, Crybaby. Ça, c'est pour 2023. Voilà. Et Après 2020. après t'as pas encore de projet d'autres projets? Si, si, Lise, oh là là, j'en ai même mal à la tête. Ah bah Alors, voilà. eh ben, il sort le 3 de Juste pour toi, la mafia russe, là, que tu en parlais juste un peu avant, Avec Constantin et c'est le Anton. 3. Ben, il y a la troisième, c'est Natalia. Ça va être l'histoire de Natalia, la sœur de La sœur Constantin. de Constantin, ouais. Il va lui arriver plein de trucs, elle aussi. Oh, Plein cochère. de... Voilà. Et dans le tome 2, enfin avec Anton, on a les deux cousins, la famille Barzikov. Et là, il va sortir aussi la Dark Romance. Mais il y en a beaucoup qui attendent la suite. Hein, Bah attends, il y a voilà. le dragonologue qui nous demande un résumé. Donc je lui donne le résumé du tome 2, comme on a déjà donné le résumé du tome 1. Donc le tome 1, c'était sur Constantin, qui rencontre la pote de Natalia, qui est sa sœur. Et là, c'est le tome 2, c'est sur Anton Slanovich. Alors, donc le résumé, c'est Anton Slanovich, je suis le numéro 2 de la Bratva. Je dirige d'une main de fer l'organisation criminelle. Cruauté est mon deuxième prénom. Je n'ai aucune pitié pour mes ennemis. Puis un jour, une petite souris fait son apparition. Une espionne. Elle le nie. Je n'aime pas les menteuses. J'ai décidé de l'interroger à ma manière. Maureen. Ah oui, Maureen, ça change. Donc là, c'est Maureen qui parle.
Il m'a prise dans ses filets. Quoi que je lui dise, il ne me croit pas. Il est cruel et sans pitié. Il me maltraite. Il me cajole. Ma vie n'a rien d'un conte de fées. Je rêvais d'un prince charmant, mais c'est un prince des ténèbres qui m'a trouvé. Changement de décor avec Anton Slanovich, pénétré dans la mafia rouge. Une histoire plus sombre et plus intense. Voilà, ça, c'est le tome 2. Et le tome 1, c'était sur Constantin, qui est donc aussi, qui fait partie de la Bratva, qui est aussi un... Alors ça, c'est les couvertures avec des hommes torse nu, là. Oui. Alors là, je dois dire que Ah, le résumé de la fantaisie, mince, vampire, il m'a dit, mais non, c'est pas ça que je voulais. alors Pardon. Excuse-moi. pour mes couvertures de la saga Slanovitch, j'ai fait avec mes maigres moyens parce que j'avais pas encore beaucoup de sous. Quand j'ai commencé le 1 avec Constantin, j'ai pris mes images, j'ai fait mes propres montages. Par contre, pour le 2, c'était trop tard. Quand on commence une saga, on est obligé de continuer avec les mêmes styles d'images, tout ça. Et ouais, sinon Voilà. ça fait moyen moyen. Et oui, voilà. Ah, pour la fantasy, j'ai pas encore vraiment refait mon résumé. Mais c'est toujours avec le classique d'un mage noir qui va revenir 2000 ans après, foutre la pagaille dans un royaume qui ne sait même plus se battre, qui vit tranquille. Il Et vit il y a tranquille ou bilou. des. Voilà, il va y avoir des monstres qui vont ressurgir du passé, des hommes hyènes, des orques, ben voilà, une fantasy, on va dire, à peu près classique, sauf dans les batailles où là je me lâche un peu plus. Où je deviens un peu plus violente. Mais sinon, bon, bah, c'est une fantasy, on va dire, normale, quoi, avec un méchant, des héros, voilà. Un peu classique, ce qu'il y a un classique, ok. Oui, voilà, on va dire le classique. Après, bon, chacun a ses histoires, hein, mais bon, il y a toujours un méchant, un mage noir, des elfes, des nains, voilà. Ouais, mais après, chacune peut être vachement différente, hein, complètement. Après, tout C'est dépend ça. de l'ambiance qu'on y met, quoi. Non, pas assez cliché du coup, Dragonologue. Non, pas du tout. Il n'est pas cliché. Cliché dans le sens où tu trouves, oui, peut-être des nains, des elfes, tout ça. Oui, voilà. Mais après, non, parce que dans l'histoire. Exactement, ne jamais sous-estimer les classiques. Tu prends un classique, tu mets quelques ingrédients bien à toi, bien perso, etc. Quelques petites notes, quelques petites touches. Et ben franchement, ça peut devenir tout de suite un gros coup de cœur. Oula, oui, moi qui lis de la fantasy, j'en lis beaucoup qui ne contiennent aucun concept classique, mort de rire. Ah ouais? Ah ben, il faudra lire alors les Dark Fantasy quand je ferai mes Dark Fantasy, Dragonologue. Je te di le dirai et là, ça sera un peu atypique. C'est vrai que j'avoue que moi j'ai lu par contre de la dark fantasy, j'ai pas lu des dark romances, mais par contre j'ai lu de la dark fantasy et j'aime bien en fait le côté sombre de la fantasy comme ça. C'est pas mal. Clara, peut-être que t'as moyen parce que du coup en dark fantasy là par contre, en effet, s'il se passe quelque chose de mal, si quelqu'un est pas gentil, en général on se venge dans la dark fantasy. Je pense que ce serait plus ton style, Clara. C'est la dark qui te plaît, la dark qui te botte. Peu importe, on s'en fiche que ce soit original, l'important c'est que ce soit bien. Bah oui, voilà, c'est quand tu lis, si t'es embarqué dans l'histoire et que les personnages te parlent et que t'arrives à suivre le truc, franchement, voilà, que ce soit classique, que ce soit pas classique, on s'en fiche en fait. Oui, c'est sûr, je néglige pas les classiques, simplement je dis que résumer la fantasy à ce concept précis, c'est réducteur. Dark fantasy, mon genre préféré. Ouais, c'est vrai que la dark fantasy c'est cool. T'as un titre en tête, c'est quoi ta référence dark fantasy? Est-ce que vous avez tous une référence dark fantasy? Wendy, t'as un truc dark fantasy qui te passe par la tête? Et moi, il y a toujours des scènes de sexe là-dedans. moi, là, en ce moment, je suis sur les métamorphes, sur les loups. C'est mes lectures du moment. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est style un petit peu à harem inversé. Voilà, il y a du fantasy et du sexe. Oh, on a eu plein de références là, des viewers. Le livre des martyrs, Made in Abyss, ou la cité diaphane. J'entends beaucoup parler de la cité diaphane. On a Pandasama qui nous dit Zotique en livre, Berserk en animé. Ah ouais, ok, ah ouais, en animé, je connaissais pas.
Non, Clara, il n'y a pas du viol dans mes livres, dans les livres de métaphores, de métamorphes que je lis. Il n'y a pas de viol, hein. Seulement, bon, la louve a toujours deux ou trois mâles autour d'elle, quoi. Voilà. Voilà. Je suis très peu dark fantasy. La dark, le plus dark fantasy que j'ai lu, c'est chez Ian White. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Ouais, là, c'est ouais. C'est vrai que c'est pas dark. Enfin, c'est pas dark. C'est un peu triste, mais c'est pas dark. Le livre des martyrs. Ouais, plus. Tu dis, ouais, ceci, tu l'as lu et c'est super. Putain, faudrait que je me le note dans mes envies, ça. Le livre des martyrs, je le note là. Ta 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 Moi ta aussi. ta. Que je sache de quoi on parle, bordel! En tout cas, c'était super intéressant de t'avoir et c'est vrai que c'est vachement bien de changer un petit peu de style, d'avoir des auteurs qui écrivent un petit peu des styles différents. Je trouve que ça ouvre des débats qui sont assez intéressants. On a réveillé le lobby du livre des martyrs. C'est pas faux. Du coup, là, il va y avoir 3 ou 4 commandes en plus. Là, il a surpassé l'assassin royal. J'en peux plus. Ah ouais? Vous avez lu Bien l'Assassin Royal, ouais. Evernight? Evernight, c'est classé Dark Fantasy. Moi, j'ai vachement aimé. Alors, peut-être que c'est pas hyper dark. Je sais pas, parce que j'ai pas trop de références, en fait. Je sais pas si c'est plus ou moins dark que le Livre des Martyrs ou que la Cité Diaphane. D'ailleurs, la Cité Diaphane aussi, il faut que je me le note. Je pense que je me le suis déjà mis dans mes envies, mais... Assassin Royal, c'est pas dark. Ouais, non, c'est de la fantasy tout court, l'Assassin Royal. Attention. En direct, Isnaïr augmente sa pal, soyez témoin. Non, pas du tout. J'ai dit que je le mettais dans mes envies. C'est pas pareil. La pile à lire, c'est ce que j'achète. Les envies, c'est ce que j'ai pas encore acheté. Et ce que j'avais dit, que j'achetais pas de livres avant d'avoir défoncé ma pal d'au moins la moitié. Ce qui fait 40 bouquins. On a quand même un peu de boulot. Mais je suis en train d'en lire 3 en même temps, donc ça devrait aller quand même. Là, ça avance. Mais c'est si bien. L'Assassin Royal? Ah ouais. It's over 9000. Bon, en tout cas, les gars, moi, mon live du lundi, c'est le petit live de la semaine. C'est quand on papote un peu, et puis voilà. Et là, on a eu de la chance d'avoir la présentation de Wendy. En tout cas, je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré, Wendy, par hasard sur les réseaux. Merci. Et de t'avoir régulièrement dans les lives, etc. Et j'espère qu'on renouvellera l'expérience, qu'on papotera encore. Je pense Y a pas de que la souci. prochaine fois qu'on lira un de tes livres, on refera un petit retour lecture en ta présence, parce que c'est vachement intéressant du coup de pouvoir un petit peu débattre bah, justement sur ces styles, parce que tout ce qui est dark, c'est pas du goût de tout le monde. Et du coup, il y a toujours débat, tu vois. Et tous les Et en arguments plus, ça comptent, me quoi. Voilà, et en plus ça me dérange pas de débattre dessus parce qu'il n'y a rien qui me retient. Voilà, je suis ouverte à tous les avis. Oui, c'est très agréable en tout cas de papoter avec toi. Et du coup, bah écoute, on va te remercier pour ton intervention aujourd'hui. Ceux qui Merci. Je remets le nom, donc si vous ne connaissez pas Wendy Sue Lawton, enfin ses livres, parce que maintenant vous la connaissez, vous lui avez parlé. Mais si vous ne connaissez pas ses livres, eh ben n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux, elle est sur Amazon, elle a de la fantasy classique qui va ressortir, là, et elle a de la dark romance, pardon, et des thrillers horrifiques. Et là, moi, celui que je viens de lire, celui qui est sur l'écran, Rosita, c'est du fantastique terrifique, enfin terreur, je sais pas comment ils disent. C'est classé fantastique terreur. Un livre d'épouvante. Voilà, un livre d'épouvante et j'ai trouvé que c'est vachement sympa. Avec une fin originale. Voilà. Et ben merci beaucoup Wendy. Quel est ton programme Merci pour à la semaine? toi, Ah bah Lise. oui, tu es Merci en à tous. vacances toi, t'as de la chance. Ah, moi, ouais. Et dès ce soir, j'attaque la relecture de la Dark. Et c'est pas trop Donc, dur j'ai du boulot. les relectures. Tu fais d'abord une relecture et ensuite t'envoies au. C'est relecture après La les correctrice. bêtas ou avant les bêtas? Je vais commencer parce que mes bêtas, là, pour le moment, elles m'ont fait aucun retour. Je pense qu'elles doivent prendre un petit peu leur temps. Donc, je vais attaquer ma relecture et réécriture parce que mon livre fait 95 000 mots et si je m'y prends trop en retard, je vais être à la bourre. Ouais, surtout que là t'es en Donc, vacances, donc tu profites un peu du temps que t'as peut-être. c'est ça, c'est ça, c'est Ouais, je ça. comprends, ouais, c'est toujours la galère. Oh là là. Je suis de tout cœur avec toi, les corrections, réécriture, machin, c'est le truc bien relou. Ouais, c'est naze ça. Ah, c'est quoi le write-over? Tu le fais, c'est sur quel site, c'est sur quelle chaîne en fait? Tu dois écrire tous les jours, c'est comme le NaNoWriMo en fait. Je suis pas tous les trucs moi qui sont tendance et tout, parce que j'ai tellement de boulot que j'ai pas le temps de regarder tout et du coup, je suis à la ramasse totale. C'est pas grave, ça ne me dérange pas beaucoup. Mais du coup, j'allais attendre de voir ce que me dit Vampy.
Mais en tout cas, bah, je vais te laisser du coup bah, reprendre une activité normale, Wendy. Mille merci pour ton intervention. Merci à toi, C'était Lise. Merci à tous. vachement sympa. Je vais Merci. couper le micro, tout ça, pour la fin de live. Comme ça, peut-être qu'on va faire un petit make it meme, un petit jeu avec les viewers. Et voilà. Et bien sûr, on reste en contact. De toute façon, tu es sur notre Discord. Si des gens ont des questions qui n'ont Oui, pas été là je posées compte sur le aussi. live, n'hésitez pas à envoyer à MP Wendy, à lui poser des questions, etc. C'est sans problème. Elle est sur le Discord en plus. Donc voilà, parfait. Ok. Merci et bonne soirée, Wendy. À vous aussi. À tout de suite, hein, sur Bah oui, le live. Hein. à tout de suite sur le live. Bye bye. Bye. Hop, je vais remettre la musique un tout petit peu plus fort. Puisqu'en fait, on voulait entendre quand même Wendy. Mais moi, on n'a pas besoin avec ma voix de canard. Merci Wendy, c'était top, a dit Matou. Elle va voir sur le chat de toute façon. Genre, un poème, une nouvelle, deux, trois phrases, n'importe quoi. Ah, tu dois écrire, ok, attends, attends, je remonte. Plus comme Inktober, genre, t'as un mot par jour et tu écris un texte libre. Ah, et c'est quoi le mot aujourd'hui? Ça me rassure d'entendre dire, je suis pas trop les trucs tendance, j'ai pas le temps. Pourquoi ça te rassure? Parce que tu te disais que ça se voyait déjà? Non? Ou parce que toi non plus tu les suis pas? Toi tu les suis, toi tu suis tous les trucs, toi. Normalement les jeunes ils font tous les trucs à la mode, tous les trucs tendance. Je fais la liste d'Anna. C'est Nature Today. Ah ouais, et tu vas écrire sur quoi alors? Sur des feuilles? C'est intéressant ça. J'aurais peut-être lancé des trucs comme ça sur le Discord, tiens. Des petits ateliers écriture, hop, on lance un petit mot-clé et puis tout le monde écrit un petit texte. Je pense que je vais lancer ça de temps en temps. C'est une super bonne idée. Est-ce que vous êtes chaud pour faire un make it meme ou est-ce qu'on fait fin de live direct et on se raid chez quelqu'un? Qui c'est qui est en ligne? Il y a le journal Daily, je crois qu'elle y est depuis très longtemps. Il y a Vibration Littéraire qui a commencé il n'y a pas longtemps. Il y a Alchimiste des mots aussi, elle y est, je crois, depuis que je suis sur mon ordi ce matin. Donc je sais pas si. Ah, peut-être qu'elle est enfin. Attendez, je vais aller regarder. Si elle est en fin de session ou pas. Parce que moi je raid en priorité sur les gens qui font le pomo latte pumpkin, forcément, vous savez. Ah bah elle a encore 56 minutes, donc je pense qu'on va aller chez. On va raider chez Alchimiste. D'ailleurs, Waze, tu fais le pomo latte? T'es ready, t'es chaud ou quoi? Toi tu fais des périodes de 45 minutes, hein. Non parce que je fais la même chose, genre là, right over. J'ai dit, c'est sympa votre truc, mais j'ai 2 mois pour finir mon livre. Ouais, c'est ça! C'est que tu peux pas tout faire non plus, Weiss. Ça, le truc, c'est que. Enfin, moi, j'ai écrit 6 romans cette année, j'ai sorti 6 romans. J'en ai encore 2 avant la fin de l'année à terminer, plus un 4 mains qui est en cours. Donc, j'écris déjà 6. Enfin, je me concentre sur mes livres 6 heures par jour. Si je me mets à faire les write-over et tous les défis qu'il y a dans le truc, je lance déjà des challenges lecture avec ma page Facebook pour animer. Je me dis, au bout d'un moment, il n'y a pas assez de temps dans une journée pour moi. Donc je ne peux pas le faire. Mais ça m'intéresse vraiment et je trouve que c'est des super initiatives. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Mort de rire, j'aime trop sur le chat de Waze, il prenait un coup de vieux et ici, on est tous des bébous. Bah oui, tout à fait, hein. Mais c'est ça qui est bien, c'est quand on est capable d'aller sur les lives de plusieurs générations différentes, etc. Et qu'on est assez ouvert bah, pour apprécier dans chaque live et dans chaque. C'est ça qui est bien aussi avec le pomo latte pumpkin. Je refais un petit peu de pub pour le pomo. C'est que vous avez des streamers très différents, donc vous avez des techniques différentes, des âges différents, des temps différents, etc. Donc c'est vachement intéressant. À 5h du mat. Tu fais 5h du mat? Moi en fait, je me suis dit, tu vois, ça c'est pareil, Waze, quand il a lancé tout le truc paritaire, je me suis dit, moi en fait, j'ai jamais le temps, tu sais. Et quand je vois, il y a quelqu'un qui met un message, boum, il y a 12 messages, lire tous les 12 messages quand je suis en train de faire autre chose, souvent je les lis de travers, donc je rate des infos. Et à chaque fois, quand je lui pose une question, il me fait, c'est marqué sur Discord. Oui, je sais, mais en fait, comme je fais plein de trucs en même temps, je regarde un peu machin. Et là, j'ai pas donné mes horaires, je me suis dit, je vais me retrouver en pleine nuit. Et en fait, pas du tout. Et du coup, j'ai trop de chance. Mais je crois que c'est parce que comme la dernière fois j'ai raté le truc de fin, il m'a mis tout à la fin, comme ça je peux pas rater la clôture.
Je lui ai dit ça, il m'a dit mais pas du tout, j'avais oublié, mais en fait je suis sûre que c'est ça. Les challenges d'écriture, c'est pour se motiver à écrire, mais vous n'avez pas besoin de ça. Bah oui, c'est ça, c'est qu'en fait nous on est déjà tout le temps en train d'écrire, donc en fait on a besoin de se motiver, mais en fait on aime bien l'idée. Donc si tu veux, en fait on est un peu deg quand même, je sais pas si t'es pareil pour toi, Weiss, mais je suis quand même un peu deg de pas les faire avec les autres parce que je trouve ça marrant. Genre, t'as un mot, le défi, écrire ton truc avec le mot, je trouve c'est génial en fait, et ça te stimule en plus et tout ça, c'est vachement bien. Des fois je devrais faire des pauses pour faire ça quand même, pour me sortir un peu de mes livres, parce que là je suis en mode romance de Noël, les gars, je suis en galère. Et en plus, mon autre livre qui est en cours, c'est un roman historique, fantastique historique, pendant la Renaissance. Je vous dis pas la galère, je suis dans 12 millions de recherches, je passe ma journée à faire ça aussi. C'est fatigant aussi. J'ai un œil qui saute depuis 3 jours, t'es gling, 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 tellement je suis fatiguée. Je suis obligée de mettre des lunettes maintenant pour refaire, tellement je reste toute ma journée sur mes écrans à écrire mes livres. En vrai, j'ai dit à Paritaire que ça me gênait pas d'être en nocturne du moment que je le sais avant. Lui, ça l'arrangeait parce qu'il voulait pas choisir au pif. Donc je serai à 5, de 5 à 9 heures. Je pense que je ferai une partie de ma nuit avant et une autre après. Moi, je suis ici, je suis de 10h à 14h, je crois. Donc en fait, moi, je suis 17h. Moi, je suis en soirée, en fait. Mais c'est la clôture. C'est le truc de clôture. Une partie de ma nuit avant et une autre après. Ouais, bah là tu vas aider. Mais bon, toi tu t'en fous, t'as déjà fait 26 heures de live d'affilée. T'es pas un. Je veux dire, c'est pas un débutant. Tu fais ça easy quoi. Chez l'alchimiste, il s'agit juste d'une phrase plus ou moins longue à faire chaque jour. C'est sympa. Ah, mais toi tu fais tous les défis, Matou? 29 heures? Ah oui, parce qu'à chaque anniversaire tu fais un live de ton âge. Imaginez si je faisais ça, les gars. Tu sais, quand t'arrives aux 48 heures relais tout seul, sans relais, c'est toi qui fais le relais tout seul, et bah t'es deg, les gars, et tu crèves, tu arrêtes de faire des lives. Merci à Waze qui nous a évité la courte paille. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que la dernière fois, il avait fait ça par Ether et c'était lui qui avait eu la nuit et il était défoncé. J'avais essayé de rester avec lui la nuit, franchement. J'ai tenté, hein. Je me suis endormie comme une pauvre tâche au bout de pas très longtemps, le pauvre. J'avais trop la honte. Je vais rester avec toi et tout. Au bout d'une heure, j'étais là. Je reste avec toi, mais depuis mon lit. Ça va, il est pas loin de mon écran. Donc j'ai laissé, tu sais, quand même, je suis allée sur le premier live et j'ai laissé tout le live, ce que je vais faire aussi ici. Mais du coup, c'était chaud, quoi. 28h40 minutes, c'était ce week-end pour un. Oh! T'as fait ce week-end? En gros, plus les gens donnaient de subs et plus je devais écrire, je me suis retrouvée à faire presque 16 000. Oh, mais après, t'es éclatée, non? Mais franchement, ouais, GG, c'est clair. Franchement, je suis impressionnée. Moi, je pense que je meurs. Mais en plus, moi, je peux pas faire ça. On va me forcer à écrire. Tu vois, si au bout d'un moment, c'est vidé, je vais pas continuer. Enfin, je peux pas continuer d'écrire parce que ça va. Je vais écrire n'importe quoi. Donc, c'est pour le jeter, je serais dégoûtée. Enfin, j'ai jamais rien jeté jusque-là, mais. Du coup, je suis full malade aujourd'hui. Tu m'étonnes. Tu sais, le corps, quand il arrive au bout, il faut arrêter. Faut dormir pendant 48 heures. Tu fais un relais dodo 48 heures. C'est bien ça, non? Qui c'est qui peut faire ça? Moi, je peux pas. C'est un autre truc. C'est à chier. Je peux pas le faire. Tu sais, les gens, quand ils sont hyper fatigués, ils arrivent à dormir pendant des heures, pendant genre 2 jours, vraiment pour bien se remettre. Bah, moi, je peux pas. Même si je suis éclatée de la mort, et ben, je vais dormir mon maximum d'heures et puis voilà, je peux plus dormir après, même si je reste fatiguée en fait. C'est n'importe quoi. Je demande le remboursement de ce corps qui ne sert à rien. Merci. Bah, en vrai, là, à la fin, j'étais KO. J'étais en full réécriture de mes notes manuscrites. Oh là là, pour les derniers mots, parce que plus d'inspi. Bah ouais, au bout d'un moment, juste une fois que t'as pressé tout le citron, il n'y a plus de jus, les gars. Enfin, c'est peut-être la métaphore de merde, mais bon, une fois que c'est sec, quoi. Tu peux plus, au bout d'un moment, faut. Je voulais quand même aller au bout du défi. Bah bravo, franchement, applaudissements. C'est beau. Mais en parlant de ça, de gens qui ont la volonté, comme ça, une volonté de faire, d'aller toujours plus loin, on va aller raider chez Alchimiste des mots. Comme elle a encore 49 minutes sur cette session, et il y en a peut-être d'autres, eh bien on va faire ça, les gars. On va lancer ça. Ah bah oui, il faut se remplir d'inspiration à un moment. Voilà, ou de café, ou de drogue.
Il faut, à un moment, il y a un truc qu'il faut faire, quoi. Parce qu'on peut pas, ça peut pas rester comme ça pour toute la vie. Ça ne marche pas. En tout cas, merci à tous d'être venus aujourd'hui, d'être venus poser vos petites questions, papoter avec Wendy. C'était vachement intéressant et on la réinvitera. J'essaierai de lire une dark romance, je promets, j'essaierai. Si j'arrive pas, franchement, Clara, je te dirai. Mais j'essaierai. Et 2 litres de café en 2 jours, mais bonjour les reins, quoi. Ça ne va pas du tout, quoi. J'avoue que moi, après, si je bois trop de café, le pire, c'est qu'après, t'as une espèce de phase où t'es hyper claqué, t'as vraiment envie de dormir, mais le café fait quand même son effet sur tes nerfs. C'est-à-dire qu'en fait, t'es quand même fatigué, ça marche plus, tu vois ce que je veux dire, et en même temps, ça marche à donf, mais sur un autre niveau. Ce qui fait que t'es vénère, tu sais, t'es à fond dans ton truc et tout, et en même temps, tu dors. C'est vraiment quand t'es là, à l'exhaustion, tu vois. T'es exhausted de chez exhausted. Et tu t'étonnes d'être malade, Waïs. Bah oui, comment ça se fait que tu sois malade, on comprend pas. T'as pas pris des vitamines? J'ai essayé une fois, j'étais malade. J'étais mal, j'ai pas pu finir. Ouais, mais je comprends, Clara. C'est pour ça que je vais essayer. Je vais essayer une entre deux, tu sais. Je sais pas si ça existe. Une soft. Elle a dit, Wendy, qu'elle est soft. Wendy, t'es encore là? Les tiennes, elles sont de 0 sur 10 en matière de darkitude, Wendy. Parce que tu nous as dit qu'il y avait plusieurs types de dark romance. Les tiennes, elles sont ouf, entre de 0 à 10. J'étais genre, mais arrête de te faire victime, casse-toi. Bah, c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal avec ça. Moi, quelqu'un me parle mal, déjà, je me casse. Donc si quelqu'un... Enfin, je veux dire, je me laisserai pas... Non. Ça marcherait pas. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Non, mais ça reviendra demain, t'inquiète. Crybaby sera 8 sur 10, mais les autres que t'as écrit avant... T'as 8 sur 10, c'est chaud quand même. Donc ne tentons pas Crybaby direct. Ce qu'on disait qu'on voudrait commencer si on lit une dark romance sur du soft, quoi. Tu vois? Parce que je pense que moi, je suis une petite nature, les gars. Il y a Hélène qui a lu Cheyenne, elle va dire « Non, tu n'es pas une petite nature. » Mais si. En fait, moi, je suis hyper sensible. Je lui dis « Il faut que tout se passe... Que ce soit une happy end et que tout le monde soit heureux et que tout le monde soit... tu vois? Que ce soit tout doux. » Je rigole, hein, y a de la nuance dans mes livres, mes personnages sont pas des neuneux. Bah soft et dark, c'est compliqué. Non, non, c'est ce qu'elle disait, Wendy. Il y a plusieurs, il y a tout un panel de dark romance et tu peux lire du moyen, quoi. Toi aussi, t'es en PLS quand tu écris une scène difficile. Mais oui, moi je peux pas. Déjà, tu sais, déjà, moi je tue de mes personnages des fois. J'avoue, je tue des personnages, je tue des gens. C'est pour pas les tuer dans la vraie vie. Et ben à chaque fois, ça me fait quelque chose, quoi. Je sais pas, moi, j'ai du mal. C'est comme hier, vous savez quoi? J'ai préparé le raid, je l'ai pas lancé. Vous savez quoi? Hier, j'ai regardé une émission de télé-réalité à la con. Parce que des fois, avec mon chéri, en fait, quand on a une journée difficile, qu'on est claqué, qu'on n'en peut plus, des fois, moi, je lis un livre et en même temps, on met une émission de télé-réalité américaine à la con. Ça nous fait remonter notre estime de soi. Parce que quand tu vois le QI des gens dans ces émissions, et en même temps, t'as besoin de les suivre, donc c'est cool. Et en fait, derrière, il se passait, je sais plus pas si... Ah oui, il jetait des trucs dans un feu. Pour faire un truc psy, genre il y avait un psy sur le truc et il disait tu jettes ça dans le feu et comme ça tu vas oublier ses problèmes, etc. Et le mec, il y avait un mec qui jetait une peluche d'une banane. J'ai regardé mon chéri, j'ai dit mais pourquoi il fait ça? J'étais choquée, tu sais, j'étais en train de lire mon livre, j'ai regardé 2 minutes, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en fait moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas jeter une peluche, c'est une banane, c'est même pas un chien, un chat ou un truc dans le feu, parce qu'ils avaient dessiné, il y avait un visage sur la banane. Et moi dans ma tête, mon corps ne peut pas faire ça. C'est mal, j'avais mal au cœur en fait, alors que ça n'est pas quelque chose de vivant. Mais en fait c'est la symbolique de faire du mal à quelque chose. Et franchement je ne pouvais pas. Et j'ai dit ah mais il est con ce gars et tout, je me suis énervée pour rien. Donc vous voyez où j'en suis. Donc quand je dois tuer des gens dans mes livres, c'est chaud quoi. Les livres de Lise, c'est le monde des bisounours croisé, le monde des licornes un peu sarcastique. Non, parce que bon, c'est vrai que moi, tous mes personnages sont un peu des connards, mais ils sont gentils profondément. Ils font des trucs méchants des fois, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, personne n'est 100% gentil. On est tous à moitié des connards, il faut quand même être objectif. Enfin, si on veut que ça ressemble à quelque chose de vrai, il faut que ce soit des personnages qui sont quand même crédibles, quoi. Personne n'est un bisounours dans la vraie vie. Je dois écrire une scène assez dure pour mon héroïne, j'ai du mal. Bah ouais, je comprends, hein, pendant ça, j'ai du mal aussi. Mais il y a des gens qui écrivent des scènes difficiles sans que ça les impacte trop. Ouais, mais tu vois, Waze, moi je me dis que si la scène, elle m'impacte pas,
c'est qu'elle n'est pas difficile. Et si je veux qu'il y ait un relief dans mon livre, il faut qu'il y en ait des scènes qui impactent. Et si elle m'impacte pas moi, elle impactera pas mon lecteur. Donc si je veux qu'il y ait un truc qui touche dans mon livre, faut que j'aille un peu loin dans ce que j'écris. Mais je suis trop d'accord sur la TV réalité américaine. Tu te sens trop intelligent. Mais grave, franchement grave. Tu te sens. Franchement, moi je suis Gandhi quand je regarde la télé. La télé-réalité américaine, je me sens, je suis Gandhi, quoi. Et stérile en vomir. Envie de vomir chaque fois que je finis un chapter. Ah ouais, c'est vrai? Ça, c'est chaud. En vrai, je suis du genre à les attendre avec impatience, les scènes difficiles. En vrai, je fais le deuil tout le long pour pas mourir au moment de l'écrire. Ah ouais, c'est vrai? Pauvre banane. T'as vu la pauvre banane? C'est déconné. Oh, le mec, il a tué une banane, quoi. Je suis assez d'accord, après moi je douille quand j'écris. Hein. Mais oui, et ben voilà, mais c'est ça, si tu douilles quand t'écris, ben c'est que la scène elle va toucher les gens. Donc c'est normal. C'est vrai que j'avoue que ça m'est déjà arrivé de tuer un personnage et de un peu chialer. Enfin pas chialer vraiment, mais tu sais d'être pas bien, ouais. De sentir le. Mais c'est bien, moi je dis qu'il faut. Quand tu écris, si ça te touche, ça touche les gens. Touchons les gens. Cela est bizarre. Allez hop, je lance le raid. N'oubliez pas que si vous restez bien pendant le raid. Vous gagnez des points de chaîne, ce qui va vous obtenir, ce qui vous permettra par la suite de gagner des marque-pages, d'imposer des mots dans mes livres, etc., etc., tout ce que vous voulez. Enfin, pas tout ce que vous voulez, mais pas mal de trucs. Et d'ailleurs, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous rappelle que demain, je serai là aussi en coworking. Et voilà. Et puis, si je suis pas là, parce que je fais pas des coworking tous les jours, parce que moi, c'est vraiment ambiance pour voir du monde, etc., compagnie, et ben, rappelez-vous qu'il y a le site Pomodoro. Vous allez sur le site Pomo que je vous partage tout de suite et vous voyez la liste de tous les streamers super qui font tous du coworking. Donc comme ça, où il y a toujours quelqu'un pour être avec vous pour travailler. Arrêtez de me toucher SVP, j'ai pas donné mon consentement. Oui, bah on est dans la dark romance, Waze. Alors ton consentement, on s'en tape. Je sais pas si c'est mauvais signe d'avoir le truc je suis contraint. Je suis content d'écrire car je sais que les lecteurs vont être détruits de l'intérieur. Oh, bon, c'est pas exactement ce qu'on a dit. Il faut que tu mettes des squats dans tes récompenses de gêne. Des squats? Mais ça va pas. Ok, vous êtes désagréables, les gars. Je vous laisse pour la soirée. Je vois que ça part en vrille. Des gros bisous et à demain pour le Pomodoro. Bis bis. Et encore merci à Wendy d'être venue. C'était super, super sympa. Ciao et faites un bisou à Alchimiste pour moi. Je vais en faire un aussi, ne vous inquiétez pas.